Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Sœurs et frères, paix et joie. Aujourd'hui, 1er septembre, 22e dimanche ordinaire B, est aussi la journée mondiale annuelle de prière pour la sauvegarde de la création. Nous rentrons dans ce que le pape appelle le temps de la création, qui s'étend jusqu'à la fête de Saint-François d'Assise, le 4 octobre. Une période privilégiée pour réfléchir et méditer, voire renouveler notre adhésion personnelle à notre vocation de gardien de la création. Nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre merveilleuse qu'il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons, extrait du message du Saint-Père. Nous inspirons du mouvement Laudato Si en cette ouverture du temps de la création qui nous invite à espérer avec la création. Ouvrons les yeux sur les merveilles de notre monde et ouvrons nos cœurs à celles et ceux qui attendent des paroles et des gestes d'amour. La lecture de ce dimanche nous invite à une praxis de la parole entendue qui doit sans cesse façonner notre vécu quotidien. L'écho de l'exhortation de Moïse dans le livre du Deutéronome est comme une préfiguration du schéma Israël. C'est un appel à la fidélité et à une adéquation entre les prescrits de Dieu et la vie quotidienne du peuple. Une telle praxis nous amène à une certaine appropriation de la justice de Dieu dans notre relation avec les autres, avec lui et avec la création. Le point de départ de cette justice, c'est des simples gestes, des réflexes de sauvegarde de notre maison commune. C'est aussi aujourd'hui le combat pour la justice climatique et l'engagement vers une conversion écologique. Interrogeons-nous, quel type de relation ai-je avec la parole de Dieu? Comment je nourris ma relation avec mes frères et sœurs? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de notre maison commune? Dans la page évangélique, Jésus dénonce la fausse religiosité, la piété égoïste et attaque la question des traditions que nous allons aborder bientôt. Il dénonce une inadéquation et un grand fossé entre la parole et la praxis. Il reprend face aux pharisiens l'un des plus vifs reproches de Dieu en Isaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Isaïe 29, 13. Adorons-nous avec notre bouche. Qu'en est-il de notre cœur? L'intervention de Jésus nous donne de méditer et réfléchir sur deux termes, la tradition et les traditions. Nous inspirant de la magazine Omnes, nous faisons le point sur les deux pour comprendre les reproches de Jésus quant aux ablutions rituelles non pratiquées par ses disciples au repas évoqué. La tradition est un mot très important dans le vocabulaire chrétien. Dans un sens très large, mais très authentique et complet, on peut dire que pour la foi chrétienne, la tradition est la même chose que l'Église. Toutefois, l'Église ne doit pas être identifiée ici à la sociologie ecclésiastique, aux hommes et aux représentants de l'Église, mais à l'Église en tant que mystère de foi et de salut de Dieu qui traverse l'histoire jusqu'à la consommation du ciel. L'Église comprise ici comme le corps du Christ animé hier et aujourd'hui par le Saint-Esprit. L'Église primitive est consciente d'avoir reçu un dépôt de doctrine et de vie. Et il faut noter au passage que cette première tradition est antérieure au Nouveau Testament qui en est l'un des prémices. D'autre part, parler des traditions dans l'Église, dont l'extension est si vaste et si ancienne, c'est faire référence à de nombreux usages et coutumes qui sont et ont été aimés par les fidèles, encouragent leur adhésion et soulignent leur identité. Fêtes, processions, chants, vêtements, aliments traditionnels, des usages comme se croiser à certaines occasions ou s'asperger d'eau bénite et bien d'autres encore. Mais ce qui est le plus important, ce qui est
le plus central de la tradition de l'Église, c'est ce que nous avons reçu du Seigneur. L'Évangile, un message de salut qui est aussi un mode de vie. Pour le préciser en des termes plus familiers, il nous a donné une doctrine, une morale et une liturgie avec la célébration de l'Eucharistie et des sacrements. L'invitation de ce matin fait écho dans notre vie. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Jacques chapitre 1er, le verset 22. Frères et sœurs, Jésus dénonce une piété égoïste, des pratiques qui ne s'accordent pas avec de l'amour, littéralement un manque de justice et de miséricorde. Il aborde la question du légalisme et des traditionalistes. Il s'agit d'abord d'une question de cœur, car l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Nous pensons donc au clivage de nos sociétés, aux victimes d'exclusion de toutes sortes, à notre mère nature, spectacle de tant d'injustices climatiques, aux migrants du climat. Nous devons donc faire un plaidoyer pour la miséricorde, car comme dit le pape François, un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Enfin, Jésus fustige les pharisiens pour leur hypocrisie. Embellir l'extérieur, le purifier ne change pas ce qui est dans l'intérieur. Le paraître ne change pas l'être. À bien nous regarder, ce que Jésus reproche nous concerne aussi. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Dites-vous bien, si intérieurement notre esprit est propre et saint, cela brillera sur notre visage. Sœurs et frères, dans les eaux du baptême, Dieu nous a purifiés et lavés de toute souillure, et nous pouvons sans cesse nous estimer privilégiés d'être l'objet de sa miséricorde. À notre tour, peuple de baptisés, nous pouvons redire en vérité: quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Prions pour nous-mêmes et notre maison commune, et engageons-nous pour la sauvegarde de la création. Amen.